Bonsoir, chers tous. Bonsoir, mes abonnés qui sont ici. Bonsoir, les passants. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir surtout aux frères et sœurs guinéens. Donc, comme vous le savez, il y a une polémique qui est liée directement à moi par rapport à un direct que j'ai fait hier en guise de réponse aux personnes sur les réseaux sociaux qui n'arrête pas, depuis très longtemps, de dénigrer les peuls en général, à porter atteinte à l'intégrité physique et morale de la femme peul ou de la personne d'ethnie peul en Guinée. Hier, j'ai fait un direct, je n'aurais jamais imaginé l'engouement que ça aurait pu provoquer comme cela a été le cas aujourd'hui. Nous avons bien entendu constater beaucoup de réactions, chose qui est tout à fait normale apparemment. Je tiens tout d'abord à ce que vous preniez en compte le titre de ma vidéo, de mon direct aujourd'hui. Pour les gens qui me suivaient, pour les gens qui me connaissent, pour les gens qui ont l'habitude de me regarder, que ce soit sur ma page ici, que ce soit sur mon Facebook privé, vous savez très bien que je ne sors jamais pour réagir contre une personne ou contre des convictions. Quoi qu'il en soit, je parlais notamment de la Guinée. Beaucoup ont interprété ma vidéo. Oui. Donc quand on regarde ce qui a été posté en général, c'est quand je parlais notamment. Je dis les sous-sous, vous êtes comme ça, vous êtes sales, vous êtes comme ci, comme ça. Les malinqués, pareil. D'accord? Voilà tout ce qui a été coupé dans ma vidéo. Les parties où j'ai dit que je m'adressais aux gens qui ont réagi, aux gens qui n'arrêtent pas d'insulter les peuls, qui n'arrêtent pas de traiter les femmes peuls de prostituées, ces parties-là, ils ne l'ont pas mise. Il n'y a pas de souci. C'est le jeu des réseaux sociaux, il n'a pas de problème. Je tiens à préciser que mon discours d'hier, que mon direct d'hier n'était pas un discours d'injure. Mon discours d'hier n'était pas un discours ethnocentrique. Chacun a interprété, chacun a sa manière de concevoir un message, chacun a sa manière de percevoir un message qu'on voudrait faire passer en fait. Je ne me suis pas assise pour insulter. C'est comme si tu parlais, c'est comme les gens qui disent ah, et t'en fous les maturo, wotangikine. C'est exactement ça. Et pour aller encore plus loin, vous avez des blogueurs qui s'assiedent, qui insultent à longueur de journée, ingaiki. Jamais je ne me permettrai de parler comme ça. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser par rapport à ce que d'autres ont posté sur moi. Ne vous inquiétez pas, je suis très très bien élevée. Oui. Mes propos que j'ai dit hier n'étaient pas de l'attaque. Mes propos sortis hier, mes chers frères et sœurs guinéens, c'était pour vous faire voir le revers de la médaille. C'est ce que vous faites à longueur de journée, à longueur d'année. C'est ce que vous faites au peul en Guinée. C'est votre manière de persécuter les peuls. Je vais vous dire une chose. Je ne me suis pas assise et faire cette vidéo-là sur un coup de tête. Je ne l'ai pas faite par hasard. Non. Je vous annonce aujourd'hui que cette vidéo-là a été pensée. Cette vidéo-là vient de moi. J'assume totalement tout ce que j'ai dit à l'intérieur de cette vidéo-là. La seule chose sur laquelle je regrette, c'est parce qu'à un moment donné, dans la vidéo, donc au cours de la vidéo, après avoir bien entendu précisé que je parlais aux ethnos contre les peuls en Guinée, ensuite dans la conversation, vous savez, on ne peut pas tout contrôler à chaque fois.
Je disais, vous les sous-sous, je disais, vous les malinqués. Parce que j'aurais pu dire, certains d'entre vous les sous-sous, certains d'entre vous les malinqués. Oui, oui, la manière dont je me suis exprimée dans ce sens-là, oui, ça je le regrette. Je dis bien. Le côté où j'ai dit, vous les sous-sous, vous les peuls, c'est là qu'ils ont pris, ils ont dit que j'ai généralisé, que j'ai insulté des ethnies. Je voulais simplement faire comprendre aux gens qui s'assiedent à longueur de journée, dénigrer, descendre les peuls, que les peuls aussi peuvent se défendre. Et que les propos que vous sortez, si on vous sortait la même chose, pour vous dire que ça fait mal, nous sommes des êtres humains. Je suis ici sur les réseaux sociaux avec des objectifs très très précis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis surtout là pour me battre pour la jeunesse. La jeunesse guinéenne africaine d'ailleurs. Je suis outrée par l'ampleur, par les injures. Comme je dis, je peux comprendre, je peux concevoir, je vous comprends. Je vous comprends. Je vais vous dire une chose, dans ce sens-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'est assis sur les réseaux sociaux, sur sa page. C'est moi, Mbal, qui me suis assise et j'ai sorti ces propos-là. Je l'assume totalement. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de faire. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis pour le dire. C'est moi qui ai dit. Donc, me voici ici, en toute âme et conscience. Mes chers frères et sœurs guinéens, mes chers frères et sœurs soussous, Mbara wuma khandi, alanung anna bi khafira, wunganu wubaba khafira, wudiyemma, alanung anna bi khafira, wudiyemma. Parce que oui, iyo, mara fee fala, fee naka moula mara fala, ou bien, a fala ki, Amoula marafala nakine, arafala nakine. Donc, nafera, alanou anna birafera, wo diyemma, mbara wo mayandi. Moufar be en ramma, moufar be geri ramma, nouwa mané, wo fanga faramu, mirinde, nahe na wo yama, notamment, nahe luma vidéo era bara. Et moi, qui fais mon temps pour les Guinéens qu'on me fait. Afin la fée prostituée en amour, afin la fée qui nous dit. À un moment donné, à Rono, Fénara, à Rono, nous avons un réseau social pour, comment dire, pour attiser la haine. Au contraire, j'attire toujours la paix en fait. Je prône toujours la paix. Donc je vous en supplie, je vous en conjure, mes soeurs, frères et sœurs, sous-sous, pardonnez-moi. L'erreur est humaine. Qui ne fait pas d'erreur est sujet à l'illusion, donc ce qui n'est pas réel. J'ai fait une erreur quand j'ai dit « vous, les sous-sous » au fil de la conversation, au fil de mon discours. J'en suis sincèrement désolée. Ensuite, si vous écoutez même les propos que j'ai sortis, c'était des propos basiques. Ce n'était pas des injures. C'était des propos basiques. Na falakine, ah, honoro, na, ah, parce que, tu comprends? Alors, on va faire la mérite en fait, finalement. Sinon, nous n'avons pas des plus profonds que ça. Mais, elle, mon ambel, n'a pensé mon femme en mouni en fait. D'accord? Mes chers frères et sœurs malinqués, la famille de ma mère, je vous ai parlé aussi. Parce qu'il y a beaucoup trop d'ethnocentriques dans les malinqués aussi sur les réseaux sociaux. Voilà à qui je m'adressais et là j'avais d'ailleurs précisé, sans dire le nom de quelqu'un. Dans ma vidéo, j'ai bien dit que concernant les malinqués, je parle par rapport à justement une personne qui était tout le temps assise dans sa voiture, qui était tout le temps en train de dénigrer les peuls en général et ceux à cause d'Alpha Condé, par exemple. J'ai très bien précisé cela du côté malinqué. Je ne me permettrai jamais, en tant que personne, d'abord,
je ne me permettrai jamais de venir insulter une ethnie. Je suis toujours la première à sortir. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous l'informe ici. Je suis toujours la première à sortir, dire que il n'y a pas de question d'ethno en Guinée. J'ai même refusé, dans toutes mes vidéos, je refuse de dire une telle personne est malinké, une telle personne est soussou, une telle personne est baga, landouma, forestier, peul, etc. J'ai toujours refusé ça. Regardez bien toutes mes vidéos, je ne l'ai jamais fait. Parce que pour moi, cette histoire d'ethnie n'existe pas de base. Ce sont vos gens qui viennent parler sur les réseaux sociaux, beaucoup trop suivis, qui attisent la haine. C'est à eux que je m'adressais. Le message que je voudrais faire passer par là. Donc avant tout, je voudrais dire. Je vous demande sincèrement pardon, du plus profond de mon cœur. Mes parents malinqués, pardonnez-moi. Excusez-moi. Allez, yafama. Nous quand même befo. Kounou. Na direct konon. Nous donc à faire. Maningade nous, même si nous Facebook là. Allié en attise là. Nous donc à faire. Ka fo men nouye. Ko allié kouma kan fo là. Wokuma amanyo. Wokuma en fait ça fait mal. Je sais pas comment on dit ça en malinké. Excusez-moi. D'accord? Voilà ce qui se passe. Le dernier message que je voudrais faire passer ici, sur Facebook aujourd'hui, dans cette vidéo, ça sera la dernière fois que j'en parlerai. Et bien entendu, quand tu poses des paroles, quand tu dis des paroles, tu poses des actes. Cette vidéo-là, dès que je termine ici le direct, je la supprimerai. La vidéo d'hier, dès que je termine ici, je la supprimerai. Bien entendu, elle ne sera pas effacée de Facebook. Tout le monde a déjà pris. On a j'ai même l'impression qu'on m'attendait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression qu'on m'attendait en fait. Mais peu importe. Chacun cuisine cela comme il veut. Cuisinez-moi. Je vous dis, cuisinez-moi. Oui, je suis cette femme forte qui représente la femme guinéenne. Ce que j'ai à vous dire, je prône la paix. Je prône le fait qu'on soit ensemble. Excusez-moi. Je prône la paix. Je prône le vivre ensemble de tous les Guinéens, que ce soit en Guinée, que ce soit ici. Je vais préciser une autre chose. Peut-être que vous vous posez la question. Je n'ai pas parlé au nom des peuls. Je ne me permettrai jamais de venir m'asseoir parler au nom d'une ethnie. J'ai parlé en mon nom. C'est moi, Mbalo seulement là, qui suis concernée. Si cela parle à certains, ok. Si ça ne parle pas à quelqu'un, ok. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui assume. Venez vous verser sur moi. Je suis là, il n'y a pas de problème. Sûrement pour vous, je le mérite. Il n'y a pas de souci, ce sont les jeux de la vie. Ce sont les aléas de la vie. J'assume totalement. J'assume totalement le fait que j'ai fait cette vidéo-là. Je l'assume. Me voici. Mais écoutez plutôt ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Je ne suis pas ethno. Je ne suis pas haineuse. Tout ce que je voudrais, c'est l'ascension de la Guinée en général, dans son entièreté, avec le contenu qui est le Guinéen. C'est tout ce qui m'importe ici. D'accord ? Je vous prie de bien vouloir, à un moment donné, être respectueux, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas insulté. Non. Si vous regardez bien la vidéo, vous avez regardé que des coupures. Une vidéo a un début et une fin. Donc, s'il vous plaît, portez-vous bien. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je souhaite, bien entendu, le vivre ensemble.